Alors nous voulons juste prendre du temps dans la présence de Dieu pour lui exprimer nos propres mots. La Bible dit dans le livre de Jean que l'heure est et l'heure est déjà venue où le Père cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité est la preuve qu'un homme est intelligent devant Dieu. Lorsqu'une personne sait adorer Dieu, Dieu dit, voici, j'ai trouvé un homme intelligent. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que du ciel, Dieu parcourt la terre par son regard. Et là, il dit qu'il cherche un homme intelligent, qui le désire, qui le cherche, qui le veut. Et nous voulons Dieu. On ne veut pas être connu, on ne veut pas être acclamé, on ne veut pas des finances, on ne veut pas la délivrance, la liberté, on veut Dieu. On veut le connaître, on veut l'aimer, on veut le toucher et être touché par lui. Mais d'abord son plaisir, d'abord sa joie, d'abord sa satisfaction. Il faut qu'il prenne plaisir avant qu'il nous fasse plaisir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne donne pas ce que mon cœur désire quand j'ai pas fait de lui mes délices. Voilà pourquoi, ma Père, nous demandons ton esprit, nous demandons que tu viennes inspirer les paroles, nous demandons que tu viennes saisir la bouche, que tu viennes saisir les mots, que tu viennes saisir l'atmosphère, afin que de nous sorte un parfum d'adoration, un parfum de contemplation, un parfum de louange. J'ai une personne qui a commencé à parler à Dieu, qui n'attend pas que je parle, qui n'attend pas que je traduise, qui n'attend pas que j'explique. Une personne qui a commencé à parler à Dieu pour dire, Seigneur, me voici, j'ai pas beaucoup de mots, je sais pas prier. Peut-être j'ai fait la prière du salut hier, peut-être j'ai fait la prière du salut il y a une semaine, je n'ai pas beaucoup de mots, je sais pas prier, je sais pas prier, je connais pas beaucoup de versets. Je n'ai peut-être même pas de Bible chez moi, mais je veux juste te dire que oh, il paraît que tu es Jéhovah, il paraît que tu es El Shaddai, il paraît que tu es le Dieu qui change, il paraît que tu es le Dieu qui restaure. Alors moi, je viens dans ta présence tel que je suis, parce que je sais que tel que je suis, tu me prends, tu ne regardes pas mes fautes, tu ne regardes pas à mes manquements, tu ne regardes pas mes faiblesses. Lorsque je tourne vers toi les regards, la Bible dit que mon visage ne se couvre pas de honte. Les hommes veulent mettre la honte sur moi, les hommes me culpabilisent, les hommes me condamnent. Lorsque je tombe dans le péché, lorsque je tombe dans les prisons, lorsque je tombe dans les fosses, tout en moi, et ça commence dans mon âme, essaie de m'envoyer la honte. L'esprit de culpabilité, lorsque je tombe dans le péché, on voit ce qu'on appelle la honte. Voilà pourquoi souvent je me sens indigné par moi-même. Souvent je me sens indigné de m'approcher de toi. Souvent j'ai peur, souvent j'ai honte. Pourquoi? Parce que la culpabilité, on voit la honte. Mais toi, la Bible dit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Quand je viens, quelle que soit ma faute, quels que soient mes manquements, quels que soient mes torts, quel que soit comment j'ai profané le temple du Saint-Esprit qui est mon corps, quel que soit comment je t'ai insulté par mes mots, par mes actions, tu ne m'en veux pas. Tu me transformes, tu me prends tel que je suis. Comme enfant, et tu as ma père, c'est pas pour autant que tu me caresses dans le sens du poil, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne me jettes pas la pierre. Mais la Bible dit que tu satis ce que tu aimes. Alors je sais qu'il y a certaines circonstances qui m'arrivent, ce n'est pas parce que tu m'aimes pas. Je sais que ce péché, cette maladie que j'ai attrapée, qui est liée à ces excès de table, je sais que c'est parce que tu m'aimes pas, mais c'est pour me délivrer de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Alors, Esprit de Dieu, moi je veux juste te dire que me voici, j'ai besoin de toi, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Voici mon chant. Seigneur, me voici. C'est le chant de mon cœur. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi, c'est le chant de mon cœur. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Y a-t-il quelqu'un pour dire, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Est-ce que tu peux chanter, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai besoin, j'ai tellement besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de lui? Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. J'ai besoin de
J'ai besoin de toi, je veux te toucher et je veux être touché par toi. Dis-le encore une fois, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai besoin de toi, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, transforme ma vie. J'ai besoin de toi, change mon cœur. Je veux te toucher et être touché par toi. Tu sais, écoute-moi, le secret de ceux qui touchent Dieu et le secret de ceux qui sont touchés par Dieu, ce n'est pas simplement le fait de prier, non. Mais c'est la disposition de cœur avec laquelle tu pries qui va toucher Dieu et amener Dieu à te toucher. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu dans Matthieu 5, il a dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Mais ça, c'est la version française. La version anglaise, en fait, explique quand c'est pas heureux les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui sont spirituellement pauvres ou ceux qui se considèrent spirituellement pauvres. Oh, il y a une puissance dans le fait de reconnaître son incapacité. Il y a une puissance dans le fait de reconnaître qu'on ne peut pas. Il y a une puissance dans le fait de reconnaître qu'on ne sait pas. Il y a une puissance de reconnaître qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien, qu'on ne connaît rien. Il y a une puissance dans ça. Et tu sais comment on la déclenche? Lorsque l'on lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. En fait, je ne fais pas exprès. C'est vrai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour pardonner à mon père qui m'a fait du mal. J'ai besoin de toi pour marcher dans la sainteté. J'ai besoin de toi. Je ne fais pas exprès. J'ai besoin de toi à l'intérieur de moi pour te délivrer de mon âme, pour te délivrer de moi-même. Pour te délivrer de ces systèmes de pensée qui me font croire que je vais échouer ma vie, pour te délivrer de la peur, pour te délivrer de l'inquiétude, pour te délivrer des intimidations, de la timidité. J'ai besoin de toi. Je ne fais pas exprès, ce n'est pas une récitation, c'est le soupir de mon cœur. J'ai besoin de toi pour que mon cœur soit gardé loin de l'orgueil, pour que mon cœur soit gardé loin de la femme étrangère, pour que mon cœur soit gardé loin du péché. Mais tu dois lui dire, tu dois lui dire, tu dois pas attendre que je le dise, tu dois lui dire, tu dois être honnête avec lui, tu dois être sincère. David était sincère et Dieu a dit concernant David, j'ai trouvé homme selon mon cœur. Tu dois lui dire, Seigneur, me voici, je viens avec mes blessures, je viens avec mes torts. Je ne cacherai pas le fait que ma mère m'a fait du mal. Je ne cacherai pas le fait que mon père m'a fait du mal. Je ne cacherai pas le fait que mes amis m'ont trahi, que jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à pardonner. Je ne cacherai pas le fait que cette séparation avec mes amis, avec mon père, a gardé en moi des épines qui ne veulent pas libérer mon cœur. Mais moi, j'ai besoin de toi, de moi-même, je ne peux pas. J'ai essayé les résolutions charnelles, ça n'a pas marché. J'ai essayé la motivation personnelle. Ça n'a pas marché. J'ai lu tous les livres, j'ai fait toutes les formes de sciences. Je suis allé chez des thérapeutes, ça n'a pas marché. La thérapie ne marche pas, le café ne marche pas, la drogue ne marche pas, les relations ne marchent pas, la pornographie ne marche pas, l'impulsion ne marche pas. J'ai besoin que tu me délivres, j'ai besoin que tu me libères, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur et que tu restaures mon âme. J'ai besoin que tu viennes toucher les choses dont j'ai dit ne touche pas. J'ai besoin que tu viennes me guérir des séquelles du divorce des parents. J'ai besoin que tu viennes me guérir des séquelles de l'abandon de mon père. J'ai besoin que tu viennes là où j'ai dit ne viens pas. Tu dois atterrir là-bas. Tu dois venir. Ne fais pas un passage. J'en ai marre de me connecter, de m'approcher de toi chaque jour et de repartir comme si je ne me suis pas approché de Dieu. N'es-tu pas dit à ton sujet que tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, celui qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas et qui ramène à la vie ce qui était mort. Tu es le Dieu. C'est pas toi qui as dit à Marie, tu as dit je suis, à la sœur de Marie, à Marc, tu as dit je suis la résurrection et la vie. Si vraiment tu es la résurrection et la vie, il faut que je le vive. Mais pour le vivre, j'ai besoin d'être sincère. J'ai besoin de reconnaître que les épreuves de la vie m'ont gardé à terre afin que tu puisses me relever. Tant que je n'admets pas que je suis à terre, il ne peut me relever. Tant que je n'admets pas que je suis broke à l'intérieur de moi, que tout en moi est désespéré, il ne peut pas me donner son espoir. Alors ce n'est pas un simple chant. Seigneur, me voici, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas un chant. C'est un désir intérieur d'une personne qui en a marre, d'une personne qui en a marre de prier, de ne pas avoir de changement, d'une personne qui aspire à connaître Dieu, d'une personne qui dit, mais jusqu'à quand les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Délivre-nous de nous-mêmes. Laisse-moi te dire la vérité. La limite à l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que je vais t'expliquer aujourd'hui? Quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un,
La plus grande limite, le plus grand blocage de cette personne à l'action de Dieu dans la vie d'une personne, c'est la propre personne. Lorsque Dieu veut changer ta vie, veut te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, la seule limite qui peut empêcher ce que Dieu veut faire, c'est toi-même. Tu es la propre limite à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu envoie sa parole. Non pas pour te culpabiliser, mais pour te restaurer, pour te transformer, pour que tu ne prennes plus cette charge, ce fardeau d'être la limite. Dieu vient te transformer. Oh, tu ne seras plus la limite. Oh, non. Tu ne vas plus mettre de frein à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ah, non. Au contraire, là où hier tu étais un frein, je vois une autre pédale, mais ce n'est pas la pédale du frein, c'est la pédale de l'accélérateur. Tu seras l'accélérateur de la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas accélérer le mouvement de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas un frein. Tu seras l'accélérateur de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'il dit à ton sujet. Hier tu étais un frein, il n'y a pas de problème, mais je vois une autre pédale dans la voiture de ta vie, qu'on appelle la pédale de l'accélérateur. C'est ce que tu vas appuyer, je vois Dieu t'amener dans une dimension d'accélération divine où tu vas passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la maladie à la santé, dans un temps record, parce que hier tu étais le frein, et à partir de ce message, tu passes accélérateur au nom de Jésus le Messie, et ça s'accomplit dans la vie de la personne qui me met amen. Oh, Revezali Abaza. Merci Saint-Esprit de Dieu. De ce que tu es là pour parler à quelqu'un, de ce que tu es là pour transformer quelqu'un, de ce que tu es là pour libérer quelqu'un. Nous sommes faibles et tu le sais, nous sommes incapables et tu le sais, nous sommes vulnérables et tu le sais. Alors viens, je t'en supplie, te saisir de moi et inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs et viens faire ton ministère. Esprit de Jésus, merci. Il y a une personne qui peut acclamer l'Esprit et le visa là-bas, Ibrella, Ibelezefaka. Oh, acclame-le. Tu peux l'acclamer. Oh. Aïe. Pas libre, ça. Amen. Tu n'as pas idée. Est-ce qu'on me dit, tu n'as pas idée des choses qui te combattent? Tu n'as pas idée des choses qui combattent ton âme? Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume. Dans le psaume, la Bible dit, sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur. Moi, je ne le connais pas. Connais mon cœur. Mais aujourd'hui, Dieu envoie sa parole. Je ne sais pas à qui cette prière a parlé. Il y a une personne à qui ça a parlé qui a mis amen. Oh. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais Dieu a parlé à quelqu'un. Je ne sais pas. Aïe. Oh, si une personne reconnaît que l'Esprit est là, il peut mettre des amen et des cœurs en commentaire en l'honneur de l'Esprit Saint. Ce n'est pas en l'honneur de Joël. Ce n'est pas en l'honneur d'un groupe. Sur l'honneur de celui qui nous a rachetés et qui nous a donné le souffle de vie, nous a donné le Saint-Esprit. Oh, moi, j'aime l'Esprit. Moi, je suis amoureux de l'Esprit. Moi, je veux l'Esprit. Aïe. Moi, je veux l'Esprit. Je veux que ma génération ait l'Esprit. Et je pense qu'il y a une personne, tu ne veux pas seulement l'Esprit pour toi, tu veux que toute ta génération ait l'Esprit. Alors, ce que tu vas faire, tu vas partager le lien. Tu vas partager le lien à plusieurs personnes afin qu'elles puissent se connecter avec nous. Afin de te transformer par la grâce de Dieu, afin de te transformer au nom de Jésus. Amen. Donc, tu partages le lien à plusieurs personnes. Voilà. Moi, je suis en train de partager. Tu peux partager à 12 personnes. 12. Voilà. Il va les y faire dire. Faites attention à vos micros. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention vraiment à ça. Voilà. On dit de partager. On dit de toucher vos écrans. Plus un écran, mais en dehors de l'application. Voilà la femme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont entendu ma voix, mais qui n'ont pas vu mon visage, voici la belle créature que Dieu a faite. Voilà, j'ai dit souvent que Dieu a prié. Voilà, j'ai dit souvent que Dieu a fait quelques heures pour me créer. Je n'ai rien contre Adam, tu vois, je n'ai rien contre Ève. Voilà, ils ont été créés. Mais moi, je dis que Dieu a pris du temps pour me faire. Et toi aussi, Dieu a pris du temps pour te faire. Alléluia. Et une personne connaît ça et dit, oh, il est orgueilleux. Hey, moi, je me trouve beau. Voilà. Si toi, tu ne te trouves pas beau, belle, là, il me dit quoi? Bon, de parler ou de ne pas parler? Je parle ou je ne parle pas? Là, il me dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, souvent, tu n'arrives pas à aimer ton prochain parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Ok. Bon, je vais faire ma parenthèse. Amen. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Joël. Je suis votre serviteur. Amen. Je suis votre serviteur. Ok. Bienvenue à tous les nouveaux dans cette famille All In Together. All In Together, c'est quoi?
La vérité, c'est que certains disent groupe de prière, d'autres disent mouvement, d'autres disent disciples. Moi, je dis un peuple où Dieu se glorifie. Un peuple où le Saint-Esprit au milieu. Un peuple où on donne la place et l'espace à Dieu afin que Dieu fasse ses œuvres. Nous, on veut que Dieu soit vu. Moi, je ne sais pas pour toi, moi, je veux pas voir quelqu'un d'autre. Moi, je veux voir Dieu. Ah oui. C'est quand Dieu est là. Pas seulement quand ça prend, c'est là. Parce que tu sais, la vérité, c'est que la Bible dit lorsque deux ou trois personnes sont assemblées, en ce moment, il est là. Ça veut dire qu'il est là. Mais moi, je veux pas seulement qu'il soit là. Je veux qu'il se manifeste. Je veux que son gouvernement soit établi, que son règne vienne. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il ne s'agit pas seulement qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Mais il faut qu'il règne. C'est quand il règne que sa volonté est établie. Et là, il me dit que sa volonté, c'est de détruire les œuvres du diable. Alors, pour ça, il faut que son règne soit établi. Laisse-moi te choquer. Non, je ne vais pas te choquer parce que tu le sais. Le règne de Dieu est là. Voilà pourquoi, pendant que la parole sera envoyée, tu verras qu'il y a des maladies, des douleurs à la tête, des douleurs au dos avec lesquelles tu luttais qui vont dégager, sans même qu'on ait parlé. Parce qu'il envoie sa parole et les filles libérées de la fosse. Donne-moi l'amen. Alléluia. Alors, il y a une personne qui partage le lien à tes amis. Amen. Afin de ne pas bénéficier, de ne pas manger tout seul. Il ne faut pas être gourmand. La Bible dit, soyez violent. La Bible n'a pas dit, soyez gourmand. Elle dit, faut partager. Mais, voilà. Faut partager, mais dans ta portion là, faut prendre et partager. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, bienvenue à tous encore une fois. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le message, on va pas réellement, on va pas tergiverser. Hein. Dieu m'a donné une parole pour toi. Tu sais, lorsqu'on dit que Dieu a donné une parole, faut être rempli de joie et d'espérance, quoi. Vous savez, entre Malachie, le dernier chapitre, de l'Ancien Testament et Matthieu, le premier chapitre du Nouveau Testament. Vous savez, il y a combien d'années? Qui sait, il y a combien d'années? Il y a plus de 300 ans. Pendant 300 ans, attention à vos micros. Attention à vos micros, s'il vous plaît, la famille. Pendant 300 ans, Dieu n'a pas parlé. Ou Dieu a parlé, mais les hommes n'ont pas été sensibles à ce que Dieu a dit. Parce que la Bible dit en réalité que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc lorsque tu demandes, et je parle à une personne, tu dis, j'entends pas la voix de Dieu, souvent c'est pas la voix de Dieu. Dieu a parlé, il a forcément parlé. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sensible. Donc lorsqu'on dit Dieu a une parole, il faut être content. Parce qu'il envoie sa parole, et la parole est fait libérée de la fosse. Amen. Oui, donc oh, je dis qu'il faut être content, j'ai même pas vu les cœurs, j'ai pas vu les amens. Oh, merci. Ah oui, Dieu a parlé. Et il a envoyé un message pour toi, un message qui assurément va te faire du bien, je le crois. En tout cas, c'est sa volonté, c'est son but. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, le titre de mon message, aujourd'hui, je suis venu renouveler le système, je suis venu révolutionner le système de pensée de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit est venu faire. Il m'a dit, viens révolutionner le système de pensée de quelqu'un. Le titre du message, c'est ta seule limite avec Dieu, c'est toi-même. Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'en sortant du Seigneur, personne qui va dire non, en fait, qui va se sentir misérable, qui va dire, mais je ne connais pas Dieu, en fait. Ta seule limite avec Dieu, c'est toi-même. Tu es ta propre limite avec Dieu. Il n'y a pas d'autre limite. Lorsqu'on parle de ta limite avec Dieu, on n'a pas dit ta limite, on n'a pas dit ta seule limite en Dieu. On n'a pas dit ta seule limite pour Dieu. On dit avec Dieu. Ça ramène à la notion de relation. Ça ramène à la notion de communion. Ta seule limite dans ta relation avec Dieu, ta seule limite dans ta marche avec Dieu, ta seule limite dans le fait que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, ton Sauveur, afin de le suivre chaque jour de ta vie, ta seule limite à cela, c'est toi-même. L'Esprit m'a dit de te dire, ce n'est pas ton âge, ta limite. Ta limite, ce n'est pas ta couleur de peau. Ta limite, ce n'est pas ton nom de famille. Ta limite, ce n'est pas le fait que tu es chrétien alors que toute ta famille est musulmane. Ce n'est pas ça ta limite. Ta limite, ce n'est pas le fait que tu n'as pas de Bible. Ta limite, ce n'est pas le fait que tu as fait la prière du salut hier. Big up à tous ceux qui ont fait la prière du salut hier. Ta limite, ce n'est pas le fait que tu as un an avec Dieu. Ta limite, ce n'est pas que tu as 12 ans. Ta limite, ce n'est pas que tu as 13 ans. Ta seule limite, c'est ton système de pensée. C'est toi. Ce n'est pas tes caractéristiques. Ce n'est pas le territoire où tu es. Non, dans ma classe, il y a tellement de personnes dans le péché, je n'arrive pas à marcher avec Dieu. Qui t'a dit que. Aïe, aïe, aïe. Qui t'a dit que les ténèbres doivent influencer la lumière? C'est la lumière qui influence les ténèbres. Quel que soit l'état du noir d'une chambre, à partir du moment où j'allume la lumière, le noir disparaît, se volatilise. Alors, ce n'est pas les gens autour de moi qui doivent déterminer, me limiter. Non, c'est moi qui dois influencer. C'est moi qui influence, ce n'est pas les gens qui m'influencent. Alors, ta seule limite, ce n'est pas les gens autour de toi.
Même s'il y a des impudiques autour de toi, tu peux être joyeux. Tu peux être sain. Tu peux être sain. Même s'il y a des gens attristés autour de toi, tu peux envoyer la joie. Même s'il y a des dépressifs, tu peux envoyer la paix. La seule limite avec Dieu, l'Esprit m'a dit de te dire, ta seule limite avec Dieu, c'est toi. Il n'y a pas d'autre limite. Tu es ta propre limite. Mais aujourd'hui, tu as entendu ce que Dieu a dit, non? Avant, tu étais la pédale du frein. À partir d'aujourd'hui, tu deviens la pédale d'accélérateur. Tu ne vas plus freiner Dieu. Tu vas amener Dieu à accélérer. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5 qu'il faut racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Et pour racheter le temps, il faut accélérer. Tu seras l'accélérateur au nom de Jésus. Ta seule limite avec Dieu, c'est toi-même. Ta seule limite avec Dieu, c'est toi-même. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Dieu est un Dieu qui peut tout. Dans mon amen, Dieu est un Dieu qui a une capacité illimitée. La Bible l'appelle dans Genèse 17, lui-même il s'appelle d'ailleurs, c'est pas la Bible qui l'appelle, lui-même il s'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire deux choses. Ça veut dire résurrection et vie. Dans le livre de Romains, la Bible te parle d'Abraham et la Bible te dit qu'Abraham a dit que Dieu est celui qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Lorsque l'on parle de El Shaddai, on parle de celui qui est capable de ressusciter ce qui était mort et qui est capable de donner la vie à ce qui n'existait pas. El Shaddai est capable, tu sais, une personne. Moi, je vais vous montrer c'est quoi El Shaddai. El Shaddai, c'est la résurrection à ce qui était mort. C'est-à-dire, par exemple, tu étais en bonne santé et du jour au lendemain, une maladie t'a frappé, tu as commencé à subir la maladie. El Shaddai va te redonner la santé, ça qu'on appelle la résurrection. Mais il y a des personnes, par exemple, dans le domaine de la maladie, qui sont nées malades. Ils sont nés avec des infirmités. Ils sont nés avec la cécité. Donc, vous avez vu, en fait, ils n'ont jamais connu en fait la guérison. Donc, on ne peut pas appeler la résurrection alors qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais connu la mort, vu qu'ils n'ont jamais connu la vie en réalité. C'est là maintenant que la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Voilà pourquoi une fois Jésus, pendant qu'il est en train de prêcher, marchant de village en ville, une fois il tombe sur un aveugle, la Bible dit un aveugle né de naissance. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a guéri cet aveugle né de naissance. Vous voyez, il était la résurrection, mais il était aussi la vie. Capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est ça la toute-puissance de Dieu. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Dieu peut tout. Oh. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te faire passer de l'impudicité à la sainteté. Dieu peut te faire passer de la tristesse à la joie. Dieu peut te faire passer de l'inquiétude à la quiétude. Dieu peut le faire. De la maladie à la santé, il peut le faire. La capacité de Dieu n'a pas de limite. La capacité de Dieu est illimitée. Ça veut dire qu'il peut tout. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Mais ce que tu dois savoir concernant cette capacité, tu sais quoi tu dois savoir? C'est que la capacité de Dieu va toujours s'associer à ce qu'on appelle sa volonté. Je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas, on est là pour ça, non? Je vais t'expliquer. La capacité de Dieu s'associe toujours à ce qu'on appelle sa volonté. Autrement dit, Dieu a une capacité illimitée qui est capable d'accomplir toutes ses volontés. Ça veut dire, dans un français simple, parce qu'il y a une personne, quand je parle de capacité, volonté, il dit, mais il parle de quoi? Ce que ça veut dire, ça veut dire en fait que Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est bon? Tu as compris maintenant? Voilà, là, j'ai utilisé des gros mots, voilà, c'était pour rendre ma présentation jolie. Maintenant, c'est bon, tu as compris, c'est rentré? Voilà. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut. Quand Dieu a une volonté, quand Dieu veut faire quelque chose, il a la capacité pour la faire. Oh! Nous servons et nous adorons un Dieu qui a marché sur les eaux parce qu'il a dit je marcherai sur les eaux. Nous servons un Dieu qui a dit à Pierre jette le filet et la pêche miraculeuse a été opérée. Nous servons un Dieu qui a dit à Pierre va dans la bouche du poisson, il y a une pièce que tu vas prendre pour payer les impôts. Nous servons un Dieu qui est capable de faire taire la mer et de chasser le vent. Nous servons un Dieu comme ça. Un Dieu qui, lorsqu'il veut quelque chose, il le peut. Quel était le premier miracle de Jésus? Le miracle de Cana, lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Dans ce miracle, sa mère, mon mari, est venue vers lui. Elle a dit, bon, mon fils, tu sais, depuis que tu as 12 ans, j'ai compris que tu es un peu le fils de Dieu et tout. Bon, tu n'as fait aucun miracle, hein. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. Mais je sais que tu es un peu quand même. Tu ne peux pas juste. Parce que moi, j'ai déjà dit que tu es le Seigneur de l'humanité. J'ai dit à mes copines, donc si tu n'opères pas le miracle là, on va dire que j'ai menti. Lorsque tu vas faire, change l'eau en vin. Elle a parlé comme ça. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la scène. Vous voyez? Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Amen. Et regardez ce qu'il a fait. Là, il dit, il a changé l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire. Parce que lorsqu'elle est venue, il a dit quoi? Il lui a dit,
Mon temps n'est pas arrivé, femme. Vous imaginez, tu parles comme ça à ta maman? Femme. Hey, femme. Dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas arrivé. Vous voyez? Mais en fait, il a quand même fait. Pourquoi il a fait? Pourquoi il a opéré? Parce qu'en soi, il voulait le faire. Il voulait le faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Ça veut dire que Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Et je vois Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Je vois Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Je le vois le faire, je le vois le faire. Je vois le faire. Pourquoi est-ce que je commence cette prédication en t'expliquant ça? Pourquoi je t'explique ce rapport entre la capacité et la volonté de Dieu? Parce que tu dois comprendre ça afin de comprendre en fait que la capacité de Dieu dans ma vie, autrement dit, ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie et au travers de ma vie, ne dépend en aucun cas de moi, mais ça dépend de sa volonté. Aïe, aïe, aïe. Ce que Dieu veut faire par moi ne dépend pas de moi en réalité. C'est ce que ça veut dire. Ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. Ça dépend de sa volonté. Il ne me sera pas fait selon ce que moi je veux. Il ne sera pas fait. Voilà pourquoi lorsque tu dis à Dieu, mais Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu te dit, va parler. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Va prier pour les malades, Seigneur, je n'ai pas d'onction. Dieu dit, mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que la capacité là ne dépend pas de toi, elle dépend de ma volonté à moi. Elle dépend de ma volonté à moi. Ainsi, si je veux vivre la capacité de Dieu, en fait, au lieu de chercher à prier pour recevoir la capacité, je vais prier pour être sensible à sa volonté. Parce que je sais que si je connais sa volonté, alors j'aurai accès à sa capacité. D'accord avec moi? C'est pour ça que. Aïe, aïe, aïe. De parler ou bien je ne parle pas. C'est pour ça qu'au temps de Élie, regardez. Vous pensez que Élie pouvait fermer le ciel comme ça, de lui-même? De quel droit? Toi, tu vas empêcher que la pluie vienne sur la terre. Ça veut dire qu'Élie a opéré avec une capacité divine, autrement dit la capacité de Dieu. Mais pourquoi? Élie n'a pas cherché la capacité pour fermer le ciel. Il a cherché quelle était la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a été capable de distinguer la volonté de Dieu, Dieu lui a donné la capacité pour opérer sa volonté. Qu'est-ce qu'il a cherché? En fait, je vais vous expliquer cette histoire. Élie avait marre de voir que les hommes en Israël étaient détournés de Dieu avec les faux dieux, les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes de Baal. OK? Il en avait marre de voir que les gens se soumettaient aux prophètes de Baal, aux entités qu'on appelle Baal. Amen. Où il faisait toutes formes de sacrifices. Il en avait marre de voir que les gens se soumettaient au Dieu que Jézabel, la femme de Akab, qui était le roi en Israël, avait envoyé. Il en avait marre. Il était fatigué de voir ça. Et en fait, quand il voyait ça, il voyait que malgré le péché qu'il y avait en Israël, Dieu continuait d'envoyer la pluie. Dieu continuait d'envoyer la pluie. Il en avait marre. Il dit, mais comment ça se fait qu'il y a des bandits, des aventuriers qui pêchent contre le Dieu que moi j'aime et Dieu continue d'envoyer la pluie? Sachant que la pluie est le symbole de la bénédiction, sachant que la pluie est le symbole de la miséricorde, plus que la pluie tombe sur les terres, alors il y a la richesse. Donc il a dit, mais attends, les gens prospèrent, les gens s'enrichissent, les gens mangent, les gens grandissent, les gens se font plaisir alors qu'ils sont détenus de Dieu. Il en avait marre. Il en avait marre. Et quand il allait chercher Dieu, il s'est rendu compte en fait que Dieu avait marre de voir que le peuple était détenu de lui et que malgré ça, le peuple prospérait. Donc il a dit, bon, si tu permets. Si tu permets, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va faire, donne-moi la capacité de fermer le ciel, afin que lorsque le ciel va se fermer, il soit convaincu de péché et qu'il revienne à toi. C'est la motivation d'Élie qui était là. Donc la capacité d'Élie de fermer le ciel est venue de quoi? Est venue du fait que il était sensible à la volonté de Dieu. De comprendre que Dieu voulait un peuple qui prospère, c'est vrai, mais dans l'obéissance. Un peu plus prospère dans la désobéissance. Quelqu'un comprend? Personne comprend. Si tu comprends, mets-moi l'amen. Amen. Alors si moi je veux vivre la capacité de Dieu, je vais pas courir vers la capacité directement. Je vais pas dire Seigneur, donne-moi ta puissance. Non, Seigneur, quelle est ta volonté? What is your will? What do you want for me and my generation? What do you want to start and what do you want to finish? What do you want to say? Quelle œuvre tu veux manifester? Je dois chercher à le comprendre. C'est ce que je dois chercher à identifier. Le problème de ma génération, c'est qu'on demande puissance, puissance, puissance pour faire quoi? Puissance pour faire quoi? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu veux la puissance pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, je suis puissant. Frère, déjà, je vais te dire, quelle que soit la dimension de puissance, il n'y a plus puissant que toi. Pourquoi ne faut pas chercher la puissance? Aïe, aïe, aïe.
Bon, je fais ma parenthèse, je ne vais pas parler, je laisse. Vous pensez que... Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah, Seigneur, je parle. Bon, je vais parler. Vous pensez qu'entre David et puis Goliath, qui était puissant? Donne-moi la main, je vais parler. Entre David et puis Goliath, qui était puissant? Goliath, n'est-ce pas? Alors, comment une personne moins puissante que celui qui est puissant peut faire la guerre à celui qui est puissant et anéantir celui qui est puissant? En soi, ce qui a tué Goliath, ce n'était pas la puissance de David, c'était que David était dans la volonté de Dieu. Rien qu'on pense que ce soit une solution pour le dire. Ce qui a tué Goliath, ce n'est pas que Goliath, ce n'est pas que David était fort, ce n'est pas ça. C'est que David était escorté parce qu'on appelle la volonté. Et quand tu es escorté parce qu'on appelle la volonté, tu es escorté par celui qui a fait sa volonté. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu es escorté par celui qui a fait sa volonté, tu es escorté par Dieu. Ainsi, David ne combattait plus contre Goliath, c'était plus David versus Goliath, c'était Dieu versus Goliath. Et Goliath ne pouvait pas tenir contre Dieu. Goliath ne pouvait pas tenir contre Dieu. C'est ça le secret. Voilà pourquoi on ne cherche pas la capacité qui est plus puissante que toi. David, il y a plus puissant que toi. David, Goliath est plus puissant que toi. Mais si tu cherches la volonté, tu comprendras alors que tu serais escorté par une capacité qui n'est pas la tienne, une capacité supérieure qu'on appelle la capacité de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Là, maintenant que El Shaddai t'accompagne, quand tu vas prendre une petite pierre, tu vas la lancer contre Goliath. Comment une petite pierre? Oh, comment une petite pierre peut tuer Goliath? En soi, la petite pierre, ce n'est pas une petite pierre, c'était le rocher du salut sur lequel ma foi est établie. Ce n'était pas une pierre, c'était le roc. Ce n'était pas une pierre, c'était le roc, c'était le roc. C'est le roc qui a touché Goliath. C'est ça la vérité. Et c'est là qu'il y avait la vérité. Alors tu dois identifier la volonté. Et dans cette saison, Dieu veut te donner sa capacité. Mais pour ça, tu dois comprendre quelle est sa volonté. Et dans cette saison, la volonté première de Dieu, il nous a expliqué la semaine dernière, sa volonté première, c'est de parler. Dieu nous a dit, il veut parler. Il veut parler. Je vais t'expliquer c'est quoi parler, tu vas comprendre. Mais la semaine dernière, tu peux aller réécouter le message. Il a dit, c'est à mon tour de parler. La volonté de Dieu dans cette saison dans laquelle nous sommes, c'est que Dieu veut parler. Dieu veut parler. Vous savez, pendant longtemps, le diable, les démons, les entités, les faux dieux ont eu la parole. Ils ont parlé. Ils se sont exprimés. Ils ont parlé. Et lorsqu'ils ont parlé, je t'ai expliqué la semaine dernière, lorsque le diable, les entités parlent, il y a deux choses qui se passent. La première des choses qui se passent, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle qui est répandue sur la création. Lorsqu'on parle de la création, on parle de quoi? On parle des êtres humains, on parle des animaux, on parle de des territoires, on parle voilà, du ciel, la terre. Voilà, c'est ça qu'on appelle la création, tout ce qui a été créé. Okay? Et lorsque le diable parle, la mort spirituelle est relâchée sur la création. C'est quoi la mort spirituelle? Qu'est-ce que la mort spirituelle? Dieu a dit à Adam, il a dit, si vous mangez du fruit, vous allez mourir. De toi à moi. Quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Donc en soi, ce n'était pas une mort physique dont il parlait. Il parlait d'une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est deux choses. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Lorsque tu étais dans le monde et que tu n'avais pas fait ce qu'on appelle la prière du salut, tu es séparé de Dieu. Et tant que tu n'as pas fait cette prière, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Cette prière te permet de revenir à Dieu, de sortir, de passer de la mort à la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Mais la deuxième caractéristique de la mort spirituelle, c'est quoi? C'est que la mort spirituelle, c'est le diable qui vous inflige des oppressions. Quand tu vois une personne qui souffre avec la dépression, qui est rendue esclave par la pornographie, par la tristesse, par l'amertume, par la colère, par toutes ces formes de choses, ça là, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Une personne comprend? Donc la mort spirituelle, c'est de séparer de Dieu et c'est d'être infligé, c'est que le diable nous inflige ses œuvres, il nous oppresse dans notre âme, dans notre corps. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Mais Jésus-Christ est venu donner la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais pas que, et qu'elles aient la vie en abondance. Alors si tu as Jésus, tu as la vie déjà en abondance en toi, il te suffit juste de croire que tu as la vie en toi et de laisser cette vie sortir par l'obéissance. Amen. Voilà. Mais c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Alors, lorsque le diable parle, lorsque les démons parlent, cette mort spirituelle est répandue sur la création. Voilà comment on pouvait voir qu'il y a des êtres humains qui souffrent avec la dépression. Mais la création, ce n'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi les territoires. C'est pour ça que vous voyez les guerres, c'est pour ça que vous voyez la pollution, c'est pour ça que le réchauffement climatique, tout ça vient d'une mort spirituelle qui a frappé la création. Qui a frappé la création. Et c'est ce qui arrive lorsque le diable parle. C'est ce qui arrive lorsque les démons parlent. C'est ce qui arrive. La mort spirituelle est relâchée parce que eux-mêmes
Il ressemble à la mort. Donc, il ne peut que relâcher ça. Voilà. Et ça, la vérité. Ça, c'est la première des choses qui se passent. La deuxième des choses qui se passent, c'est que lorsque le diable parle, vous allez remarquer qu'il y a une catégorie d'êtres humains qu'on appelle les méchants et les arrogants qui naissent, qui se font connaître. La Bible dit dans le psaume 10 au verset 4 que le méchant dit dans son arrogance, le méchant dit dans son arrogance, Dieu n'existe pas. Lorsque le diable parle, vous allez voir, il y aura toutes des personnes qui vont dire Dieu n'existe pas. Ça, c'est une caractéristique du fait que Dieu entre, que le diable entend parler. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas capable. Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des gens qui disent que Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Dieu ne peut pas guérir. Dieu ne peut pas restaurer. Dieu ne peut pas libérer. Quand vous voyez des gens qui sont là en train de remettre en question tout ce que Jésus est capable de faire, ces personnes-là, ce que la Bible appelle les méchants et les arrogants. Ça, là, cette catégorie de cette race-là, elle vient du fait que le diable parle. Il parle. Quelqu'un comprend? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Mais Dieu, la semaine dernière, par le message que nous avons reçu, a sonné une trompette. Il nous a dit, Family All In Together, vous devez savoir que le diable a parlé. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Est-ce que Dieu nous a dit? Il a dit, hier, c'était le diable qui a parlé. Maintenant, c'est à moi de parler. Est-ce que Dieu nous a expliqué? Il a dit, c'est à moi de parler. C'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit je veux parler, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque Dieu dit je veux parler, autrement dit, Dieu, ça veut dire, quand Dieu dit je veux parler, ça veut autrement dire, Dieu veut faire parler de lui. Amen. C'est ça qu'on dit. Quand on dit Dieu veut parler, ça veut dire Dieu veut faire parler de lui. Dieu veut parler. Dieu veut faire parler de lui. Alors, comment est-ce que Dieu fait parler de lui? Dieu ne fait jamais parler de lui par la parole qui sort de sa bouche, non. Dieu fait parler de lui par la conséquence, par l'effet de la parole qui est sortie de sa bouche. Quelqu'un avec moi? Bon, c'est pour ça, mettez pas vos caméras. Comment mettez pas vos caméras? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Tu vois? Donc, vraiment, je bénis Dieu pour la personne qui met sa caméra. Quand Dieu veut faire parler de lui, comment il le fait? Dieu ne le fait pas par la parole qui sort de sa bouche, non. Dieu le fait par l'effet de la parole qui est sortie de sa bouche. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Là, il me dit dans Genèse 1, verset 3, là, il me dit, et Dieu dit alors, que la lumière soit. Et là, il me dit, que la lumière fût, de vous à moi. Si Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière n'a pas été, est-ce qu'on pouvait croire que c'est Dieu qui a parlé? La preuve que c'est Dieu qui a parlé, c'est que lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière a été. En soi, ce qui a prouvé que la parole venait du cœur de Dieu, c'est pas que Dieu ait dit, la lumière, allume-toi, non. La preuve que la parole venait du cœur de Dieu, c'est que la lumière a été et s'est allumée. Une personne comprend? Une personne comprend ce que je viens d'expliquer? Bon, on va donner un autre exemple. Regardez, Psaume 107 au verset 20. Psaume 107 au verset 20, je vais te montrer encore. Là, il me dit, il envoya sa parole, elle les guérit et les fit échapper de la fosse. La preuve de la parole de Dieu, ce n'est pas que Dieu entend le parler. En soi, ce que je suis en train de t'expliquer, le fait que Dieu entend le parler actuellement, ce n'est pas les mots que tu entends qui sortent de ma bouche. C'est ce que je suis en train de faire. C'est l'effet que je suis en train d'avoir. Il y a une personne ici, ton système de pensée est en train de renouveler. Dieu entend te convaincre de péché, de justice. Ça là, c'est ça qu'on appelle la parole. C'est ça où on dit Dieu veut faire parler. C'est ça. Pendant que je suis en train de parler, Dieu entend le parler à ton âme. Il renouvelle ton système de pensée. Il te convainc de péché. Il te fait comprendre, surtout de prendre des décisions à l'intérieur de toi. Il y a des maladies, des maux de tête, des maux de dos, des maux aux pieds qui sont en train de dégager. Tout ça là, c'est ça qui est la preuve que la parole vient du cœur de Dieu. Une personne comprend? Donc c'est l'effet de la parole qui prouve que Dieu a parlé. C'est l'effet de la parole. C'est l'effet de la parole. Un autre exemple encore, c'est au temps de Pierre. Regardez au temps de Pierre. La Bible dit, lorsque il a jeté le filet, Dieu l'a dit, jette le filet à la droite. Pierre a dit, je jetterai sur ta parole. J'essaie le filet. La preuve que il a vraiment la parole de c'est par la parole de Dieu qui a inspiré cette instruction, c'est que Pierre a récolté une pêche miraculeuse. Vous comprenez? Donc en soi, ce qui prouve que Dieu parle, c'est pas les mots. C'est l'effet des mots. C'est bon? T'es avec moi? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? En fait, moi, ça m'a fait comprendre alors que la véritable parole de Dieu en soi, c'est pas les mots. C'est les œuvres qui se manifestent au travers des mots. Donc, quand je te dis que Dieu veut parler au travers de toi, ça veut dire que Dieu veut manifester des œuvres au travers de toi. Ah, quelqu'un n'a pas mis Amen. Oh.
Oh Seigneur. Bon, je bénis le Seigneur pour ceux qui mettent Amen. Aïe, aïe, aïe. Dieu veut manifester les œuvres au travers de toi. Manifester les œuvres au travers de toi. Et pour manifester ces œuvres-là, Dieu cherche une catégorie de chrétiens qu'on appelle les témoins. Allons directement dans Acte 1, verset 8. Vous connaissez ce verset maintenant, je pense. Mais regardez encore. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Bon, ce matin, en lisant, je vais vous partager un peu la discussion que j'avais avec le Saint-Esprit. Je disais au Saint-Esprit, bon, selon moi, les chrétiens, normalement, devraient être appelés les témoins. Parce qu'en soi, la vérité, en soi, on lit les actes des apôtres, les chrétiens, ce sont des noms que les hommes ont donnés à ceux qui marchaient, qui croyaient en Jésus, aux disciples de Jésus. Chrétien, ça veut dire petit Christ. OK? Mais chrétien, c'est venu après l'appellation de témoin. Et témoin, c'est Jésus qui a donné. Donc, moi, j'ai dit, bon, Seigneur, normalement, c'est vrai qu'on s'appelle les chrétiens, mais en temps normal, si on se basait sur un peu le plan de Dieu, normalement, on devait s'appeler les témoins. Bon, comme maintenant qu'on dit témoin, les gens pensent à témoin de Jéhovah. Moi, je fais ma parenthèse, je fais un petit peu. Amen. Donc, il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Je t'ai expliqué. Un témoin, c'est une catégorie parmi les chrétiens de personnes qui ne vont pas, en fait, qui témoignent de Jésus, mais qui ne témoignent pas avec ce qu'ils ont vu ou entendu parler de lui. Ils ne témoignent pas ce qu'ils ont vu, ils témoignent ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Parce que regardez, Jésus est en train de parler à ses disciples. Parmi ses disciples, il y a Pierre. Parmi ses disciples, il y a Judas. Non, Judas était mort. Désolé. Parmi ses disciples, il y a Jean. Parmi ses disciples, il y a Thomas. Et il leur dit, vous serez mes témoins. Bon, tu vois, dans le domaine du droit, lorsqu'on parle de témoins, souvent on parle de témoins oculaires. Donc ça peut paraître bizarre, ça peut prêter à confusion. Comment tu peux dire à des personnes qui t'ont vu marcher sur l'eau, qui t'ont vu multiplier le pain, que vous serez mes témoins? Comment ça, nous serons tes témoins? Normalement, on est déjà tes témoins. On a déjà vu des œuvres qui nous permettent d'être des témoins. Mais il dit non, vous n'avez rien vu. Il dit, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Quand il sera venu, vous serez mes témoins. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Autrement dit, être un témoin, ce n'est pas de témoigner de ce que j'ai vu. Ce n'est pas le témoin de ce que je sais. C'est le témoin de ce que j'ai vécu. Ça veut dire quoi? Le témoin, c'est celui qui va dire, tu sais, mon frère, Jésus guérit des règles douloureuses. On dit, mais tu es sûr? Il dit, oui, il m'a guéri. Et tu sais quoi? Ressens ta guérison. Et la personne est guérie. Aïe, aïe, aïe. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est une personne qui va dire, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus délivre de la pornographie. On dit, c'est vrai ça? Il dit, oui, il m'a délivré. Tu sais quoi? Au nom de Jésus, esprit de pornographie, dégage de cette vie. Et dès que la personne a prié, du jour au lendemain, tu n'as plus de pensée bizarre. C'est ça qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est une personne qui t'explique que Dieu l'a fait dans ma vie et qui va le faire dans ta vie. Mais il t'explique pas seulement qu'il va le faire. Il te prouve que Dieu va le faire. Comment? Ah. Oh, bon, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Pas qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. La vrasie, avaha. Je prie pour une fille, tu luttais avec des règles douloureuses. Tu luttais dans ton bas-ventre. Que la main du Seigneur te touche. Et que dans ce ventre, maintenant, tu reçois une guérison pleine. Au nom de Jésus le Messie. Je prie pour une personne qui était malade. Maintenant, pendant que je parle, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Les mouvements aux pieds, les mouvements au cou. Tu avais mal au cou, tu avais mal au dos. Fais les mouvements et tu verras que tu es guéri. Maintenant, fais les mouvements et tu verras que tu es guéri. Aïe, aïe, aïe. Et Baraza. Il avait Zievrekafa. La bratie est faite. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. La vérité, c'est ça, être un témoin. Et tu es un témoin au nom de Jésus. Oh, j'ai pas vu ton amen. Bon, je prends la parole pour moi. Je dis, tu es un témoin au nom de Jésus. Ah oui, tu es un témoin. Tu es un témoin. Alors, pour une personne, moi, tu es déjà témoin, mais tu n'as pas comme manifesté. Il y a certains, tu es témoin, mais tu n'as pas manifesté, tu n'as pas commencé à manifester ton mandat de témoin. Alors, je vais t'expliquer comment l'on manifeste son mandat de témoin. Comment devenir un témoin utilisé par Dieu. Autrement dit, comment manifester la dimension de témoin? Deux choses. La première des choses pour manifester la dimension de témoin, je t'ai expliqué. La première clé, quand tu veux être un témoin qui est utilisé par Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois montrer à Dieu que tu es disponible pour être un témoin. Personne ne comprend? Tu dois lui prouver que tu es disponible. Autrement dit, tu dois en fait lui faire comprendre que Seigneur, je suis là, tu peux m'utiliser. Tu dois lui faire comprendre que Seigneur, je suis disponible. Envoie-moi, je suis là, je suis disponible. Vas-y, ma vie peut compter.
Je suis d'accord que tu passes par moi pour libérer. Je suis d'accord que tu passes par moi pour restaurer. Je suis d'accord que tu passes par moi pour convaincre de sanctification. Je suis d'accord que tu le fasses. Ça, c'est la première des clés. Et comment on fait ça? Tu dois lui montrer que tu es disponible. Allons directement dans Acte 1 au verset 4. Acte 1 au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Jésus dit aux disciples, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, autrement dit le Saint-Esprit. Alors regardez, quand vous lisez ce verset, vous voyez deux choses qui ramènent à la notion de disponibilité. Ou encore, il y a deux termes qui ramènent à la notion d'être disponible. Le premier des termes, c'est quoi? Il dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Autrement dit, ne sois pas loin. Parce qu'une personne qui est disponible, c'est une personne qui n'est pas loin. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il y a la notion de ne pas s'éloigner. Ça ramène à être disponible. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est, il dit, mais attendez ce que le Père a promis. Donc, ne vous éloignez pas et attendez. Ça ramène à la notion d'être disponible. Ça ramène à la notion d'être là, de ne pas s'éloigner, d'être prêt. OK? Donc, regardez, la première des clés pour être un témoin, il dit, ne vous éloignez pas, attendez. Autrement dit, soyez disponible. Comment on prouve à Dieu qu'on est disponible? Pour ça, c'est acte 1, verset 14. Dans acte 1, verset 14, la Bible dit, lorsqu'ils sont passés dans la chambre, la Bible dit, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Lorsque tu veux montrer à Dieu que tu es disponible, tu vas devoir lui dire dans la prière, Seigneur, je suis disponible. Tu vas devoir prier pour dire, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je peux m'utiliser. Seigneur, vas-y, utilise-toi, sers-toi de moi. Fais de moi un panneau publicitaire dans ma génération. Fais de moi une œuvre. De la même manière que tu as utilisé Job, et que tu as convoqué les anges, tu as dit, regardez Job, mon serviteur, un homme intègre, se détourne du mal, utilise-moi dans ma génération, afin que je sois un bien-aimé, afin que je sois un panneau publicitaire. Ça, c'est la prière. La première des clés, c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu vas aller dire à Dieu, je suis là. I can. Yes, Lord, I can. You can use me. You can use me. Je suis disponible pour faire ta volonté. Je suis disponible pour opérer tes œuvres. Je suis disponible. Ça, c'est la prière. C'est dans la prière. Mais la semaine dernière, l'Esprit nous a fait comprendre que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement de dire à Dieu, je suis disponible dans la prière. Ça ne suffit pas. Désolé. Je sais, ça te fait mal que je dis ça. Je sais. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Ça ne suffit pas de dire à Dieu, Seigneur, je suis disponible dans la prière. Encore faut-il appliquer la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la consécration. La consécration, le fait de se sanctifier, de se mettre à part. Pourquoi? Parce que la consécration est la clé qui va confirmer ce que tu as dit dans la prière. Parce que, regardez, je vous dis quelque chose, un secret. Tout ce que tu vas dire à Dieu, Dieu va te demander de le prouver. Voilà pourquoi quand tu sais que tu n'es pas en mesure de prouver des choses à Dieu, il ne faut pas parler. Tais-toi. J'imagine Abraham qui a dû dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, éternel, je t'aime, tu es tout pour moi. Dieu dit, je suis tout pour toi. Ok, pas de problème. Bon, donne-moi ton fils Isaac. Il dit, mon fils. Il dit, oui, ton fils. Il a dû prouver. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que tu dis à Dieu, Dieu va te dire de prouver. Dieu va te dire de prouver. Dieu va te dire de prouver. Ok. Seigneur, David. Vous connaissez David, non? Oh, David, dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire après toi. Oh, mon Dieu, c'est toi que j'aime. Dieu dit, c'est vrai, tu m'aimes. Ok. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a suscité son fils, son propre fils, hein, le fils de David. Son propre fils. Il dit, bon, il a incité le cœur de son propre fils. J'ai oublié son prénom. Il a dit, il faut faire un rébellion à ton père. Donc le fils de David a fait une rébellion à son propre père. Et puis David a quitté le pouvoir. David n'était plus roi. David maintenant est dans le désert. On le poursuit pour être tué. Maintenant on va voir si dans le désert tu vas être capable de dire, oh Dieu, dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire. Là maintenant tu es dans la... Là tu avais dit ça avant. Tu as dit que dans une terre aride et desséchée, tu étais dans le royaume. Tu étais dans le palais. Là maintenant tu es dans le désert, vraiment, faut dire. Tout ce que tu vas dire à Dieu, tu vas te demander de le prouver. Oh Seigneur, je ne suis pas attaché à la gloire. Et puis en même temps, paf, Dieu enlève. Seigneur, je ne suis pas attaché à l'onction. Et puis pendant 2 jours, 2 semaines, ça ne marche plus. Tu pries, les gens ne guérissent pas. Et puis tu regardes ton cœur. Est-ce que tu vas rendre gloire? Est-ce que tu vas rendre grâce? Ou est-ce que tu vas dire, aïe Seigneur, ça a changé. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi les choses que tu sais que tu ne peux pas dire, il ne faut pas dire.
pas dire. Ah, vous comprenez maintenant, c'est le secret. Hein. vous savez, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, on est together, je ne suis pas attaché à ça. S'ouvrez-le. Voilà, merci, Absalom. Absalom, merci. S'ouvrez-le le niveau de ce que Dieu fait pour me voir pour moi si je suis attaché. Et par sa grâce, on n'est pas attaché. Et je n'ai pas honte de dire, je ne suis pas attaché à ça. Il fasse sa volonté et que son nom soit glorifié. Amen. Donc, tout ce que tu vas dire, Dieu va le tester. Dieu va le tester. Donc, la consécration, c'est l'action en soi que tu vas poser pour confirmer ce que tu as dit. C'est ça, la consécration. Et Dieu te dit, dans cette saison, si tu te consacres, si tu deviens un témoin qui se consacre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Dieu, tu vas être la personne par laquelle Dieu va passer. Tu seras la bouche de Dieu. Et c'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière, selon Jérémie 15, verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, autrement dit, si tu viens à moi, si tu te détaches, parce qu'à chaque fois que tu te rattaches à quelqu'un, c'est que tu t'es détaché d'une autre personne. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares le péché et la sainteté, si tu sépares la mort et la vie, si tu sépares les ténèbres et la lumière, si tu sépares ce que j'aime et ce que j'aime pas, il dit quoi? Il dit, tu seras comme ma bouche. Autrement dit, je vais parler par toi. Waouh. Je vais parler par toi. Autrement dit, je vais faire parler de moi par toi. Mon nom sera célébré par toi. On va prouver que Dieu existe par toi. Aïe, aïe, aïe. Il y a une puissance dans ça. J'ai tellement de témoignages, je ne peux pas tout partager. J'ai trop de témoignages. Ou des gens, Dieu opère des miracles par toi. Vous savez, il y a des choses, on n'a pas envie de filmer. On ne veut juste pas filmer. On pourrait filmer. On ne veut pas filmer. Vous savez, il y a des choses, Dieu opère, il se rend célèbre par toi. Les gens passent, les gens sont émerveillés. Bon, sur ma parenthèse, je continue. Amen. Dans cette saison, si tu appliques ces deux clés, que tu lui dis dans la prière, Seigneur, je vais être disponible, je vais être utilisé par toi, et que tu te consacres pour cela, Dieu a dit la semaine dernière par la parole prophétique, il a dit, Ésaïe 42, au verset 14, regardez ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière par la parole prophétique. Là, si tu es un témoin, mais pas seulement, tu te consacres, il a dit, voici ce qu'il va faire au travers de toi. Il a dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Maintenant, il dit, maintenant, je crierai comme une femme au travail. Dieu a dit la semaine dernière, quiconque va se consacrer, va se mettre à part, va être un témoin. Il dit, je vais être hystérique au travers de toi. Il dit, en fait, je vais opérer des choses que tu n'as jamais vues. Des choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec ton âge spirituel. Tu seras étonné de voir que tu as une semaine dans le Seigneur, mais Dieu guérit des malades au travers de toi. Tu seras étonné de voir que tu as moins d'un an spirituellement, mais que Dieu est capable de bouleverser la vie de plusieurs au travers de toi. Tu seras étonné de voir la dimension de puissance d'autorité qui va t'accompagner. Tu seras étonné de voir le changement radical de ton système de pensée, de ta communion avec Dieu, de ton intimité, des expériences que tu auras dans l'intimité. Tu seras étonné de voir ça. Tu seras étonné de le voir. Il m'a dit, si tu te consacres cette saison, Dieu ne va faire aucun cas de ton âge spirituel. Il ne va faire aucun cas de ton âge physique, de ta couleur de peau, de ton genre. Je parle à une sœur. Dieu va, regarde, il va faire aucun cas de ton genre. Quand tu vas parler, on va dire, hey, qui t'a enseigné tout ça? Tu vas dire, c'est pas moi. Il y a une personne dont on appelle le Saint-Esprit, la Bible appelle l'enseignant. L'enseignant. C'est lui qui m'a enseigné ça. C'est lui. C'est lui. Si tu te sépares, il va crier au travers de toi. Il sera hystérique. Ça veut dire qu'il ne va pas se contenir. Il va manifester les œuvres dont tu vas dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai, est-ce que tu vas regarder, tu vas dire, je mérite ça, je ne mérite pas, mais il va vouloir le faire. Parce que c'est sa volonté. Vous savez, quand le groupe a commencé, vous savez, le premier message du groupe, bon, on a, pour ceux qui sont anciens, l'année dernière, janvier de l'année dernière, janvier 2022. Vous savez, en janvier 2022, lorsqu'on a donné les premiers messages de We Together, moi, les messages étaient sur YouTube, on a archivé. Donc, pour aller chercher, tu ne vas pas trouver. Voilà. Vous savez, les premiers messages, c'était un message, c'était une série ces 6 semaines, ceux qui se rappellent. Est-ce qu'il y a des anciens qui peuvent se rappeler, qui se rappellent? Racheter les temps. Racheter les temps. Et dans cette série, Racheter les temps, c'est une série 100% prophétique. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, tout ce qui est en train d'arriver actuellement, là, les témoins, tout ça, là, en 2022, les messages sont là. C'est pas, on n'est pas en train d'inventer. Dieu nous avait déjà parlé de ça. Pendant 6 semaines, Dieu nous a parlé de tout ce qui allait arriver avant son retour.
une telle dimension prophétique. Même moi, ceux qui se rappellent, ceux les anciens, ils se rappellent. Même souvent, je prêchais, souvent, je m'arrêtais comme ça pendant que je prêchais. Je dis, mais Seigneur, on est qui? On est together et quoi? Je suis qui pour que tu révèles ça? Une telle profondeur prophétique. Et jusqu'à présent, on entend de voir la manifestation de ce que Dieu avait dit l'année dernière. Vous voyez? Donc, regardez. Une personne même. Moi, je me posais la question, mais Seigneur, est-ce que je mérite que tu parles ainsi? Mais Dieu était dans une logique, je ne vais pas me contenir avec toi, Joël. Je vais te révéler les choses cachées. Pourquoi? Il veut juste une personne qui va se consacrer. Cette semaine, je le disais, vous savez à quel âge Jérémie est devenu prophète? Parce que vous voyez, Jérémie dit à Dieu dans Jérémie 1, il dit, mais je suis jeune. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es jeune, ça veut dire avec quel âge? Non, il n'avait pas 17 ans. Il avait 13 ans. Il avait 13 ans. À 13 ans. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, c'est même pas jeune, il devait dire. Il dit, je suis un enfant. Voilà pourquoi d'autres personnes disent, mais je suis un enfant. À 13 ans. Dieu voulait juste une personne pour se consacrer. Dieu n'a pas de mal. Dieu n'a pas de problème. Il cherche une personne qui va se consacrer. Il cherche une personne qui va se consacrer. Et si tu te consacres, alors regarde. Dieu va agir avec toi. Et comment il va le faire? Je vais t'expliquer. Mais pas aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine. Mais je vais te montrer de quoi il s'agit. Allons directement dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Je vais te laisser aller méditer. La semaine prochaine, je vais te montrer comment Dieu veut agir avec toi cette saison. Regarde, regarde avec moi. Là, Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Deux choses. Démonstration d'esprit et démonstration de puissance. Cette saison, si tu te consacres, Dieu va agir avec toi en ce qu'on appelle une démonstration d'esprit et une démonstration de puissance. C'est deux choses différentes. La démonstration d'esprit, la semaine prochaine, je continue mon message. Non, la démonstration d'esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit consolateur. La dimension qui vient et console au travers de toi. La dimension de sagesse, la dimension de créativité, la dimension vraiment ce que je dois parler. La dimension vraiment où Dieu en fait t'amène déjà, dit, oh, toi tu aimes Dieu, mais Dieu t'a béni comme ça. Tu es intelligent, tu es riche comme ça, tu es beau comme ça, tu t'habilles bien comme ça, tu te sens bon comme ça. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la dimension de l'Esprit Saint. En fait, c'est la personne de l'Esprit. Il vient toucher à la personne de l'Esprit. Ok? C'est la personne de l'Esprit. Donc ça touche à ta personne, à ta personnalité, à ton caractère. C'est la dimension de l'Esprit, l'Esprit Saint. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la dimension de puissance. Ça, c'est les œuvres. Jésus a dit l'onction du Seigneur. Parce que quand on parle de puissance, on parle d'onction de onction. Il dit l'onction du Seigneur sur moi, quand il m'a oint, pour annoncer, pour détruire, pour délivrer, pour libérer. Donc, quand on parle de démonstration de l'Esprit Saint de puissance, Dieu veut que les gens. Parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui est malade. Donne mon amen, je vais parler. C'est pas tout le monde qui est malade, mais tout le monde est sauvé. Comment tu vas sauver des personnes qui ne sont pas malades? Tu n'auras pas besoin de prier pour les malades. Il y a des gens, ils ont juste. Tu sais, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent, oui, vraiment, j'aime comment tu t'habilles. Comme ça, j'aime comment tu t'habilles, j'aime comment, voilà, tu es un joli garçon. C'est tout. Et puis, il vient à Jésus pour ça. Démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Ils aiment juste la manière de faire les choses. Démonstration d'Esprit Saint, de puissance. Bon, la semaine prochaine. Aïe, 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 la semaine prochaine. Je vais t'expliquer. Amen. Donc, si tu veux que Dieu t'utilise dans ces deux dimensions, si tu veux que Dieu t'utilise dans ces deux dimensions, cette saison, Dieu dit, il t'a donné une instruction. Qui se rappelle de ce que Dieu a dit pendant la traversée? Il a donné une instruction. Il a donné une instruction. Ésaïe 42, verset 19, rapidement. Ésaïe 42, verset 19. Et il me dit, regardez, qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de Dieu? Dieu a donné une instruction pour nous de la traversée. Dieu m'a dit, en fait, le message d'aujourd'hui, en fait, est juste le résumé en parole de la traversée. Si tu veux être utilisé dans cette saison par Dieu, tu vas devoir être aveugle et sourd. Ça veut dire trois choses que je vais t'expliquer. C'est quoi être aveugle et sourd selon Dieu? Ça veut dire trois choses. On va les mettre jamais dans tes yeux. Si tu as fait ça là, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. Amen. C'est quoi être aveugle et sourd? C'est trois choses. La première des choses, être aveugle et sourd, la première des choses, c'est quoi? C'est devenir indifférent à ce que les autres penseront de ce que Dieu va faire avec toi. Deviens indifférent à ce que les gens vont penser. Quand Dieu va te dire, va parler à un tel, ne pense pas à comment les gens vont te regarder. Quand Dieu dit, va, arrête-toi là, maintenant, prie pour tel malade. Et moi-même, je ne veux pas la mort. Vous savez, moi, souvent, je prie pour les paralytiques. Hein. Mais souvent, je n'ai pas envie de prier quand il y a beaucoup de personnes. Souvent,
Souvent, je m'attends à ce qu'on se croise, lui et moi, dans une allée. Tu vois, on se croise, puis on est lui et moi seulement dans la rue. Donc, quand c'est comme ça, je prie, il marche. Mais tu sais, souvent, et là, je suis en train de me parler à moi-même. Après, je viens d'écouter le message, je me dis que là, c'est pour moi, là, je me parle à moi-même. Donc, tu vois que ça, c'est pas là, je me parle à moi-même. Tu sais, souvent, Joël, Dieu veut que tu pries quand il y a beaucoup de personnes, afin que la personne marche, quand il y a beaucoup de personnes, et que beaucoup de personnes voient ce que Dieu a fait et que glorifie son nom. Mais toi, tu veux prier quand seulement la personne te voit, la personne va glorifier Dieu, mais c'est une personne qui a glorifié Dieu, alors que 100 personnes pourraient glorifier Dieu en même temps. Bon, Joël, je t'ai parlé. Maintenant, je parle à la personne qui m'écoute. Oh, je te dis la vérité. C'est vrai ce que je t'en ai expliqué. Donc, être aveugle et sourd, c'est être indifférent à ce que les gens penseront. À ce que les gens penseront. À ce que les gens diront. Quand les gens verront ton changement, être indifférent à ce que les gens diront. C'est ça, être aveugle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, être aveugle et sourd, ça veut dire en fait, c'est oublier ce que tu connaissais de Dieu. Ça veut dire en fait, les habitudes que tu avais avec Dieu là, c'est bon, oublie, annule. Ça n'existe plus, mets de côté. Être aveugle et sourd, c'est en fait oublier ça. Tout ce que tu pensais connaître de Dieu. Non, Seigneur, je te connais, je connais la Bible, je connais la prière. Tu connais rien. La dimension de prière que tu as là, tu connais pas. Tu connais pas. La même manière dont tu te réveilles, chaque matin, c'est la même manière. Tu te réveilles, prends des choses, tu vas te. Bon, certains, ils ne se brossent pas les dents. Tu vas te brosser les dents, tu viens, tu rends, tu lèves les mains, Seigneur, merci. Et tu commences à prier tous les jours, tout ce que tu connaissais, tu dis, Seigneur, c'est ça la prière. Tu connais pas. Et les personnes, comme tu as pleuré sur la telle musique de moment d'Ena, chaque jour, musique, tu sais pas qu'il y a des jours, tu peux pleurer en dansant. Il y a des jours, même tu ne participes pas de musique, mais ça prend, c'est là. Oh. C'est la vérité. C'est ça l'intimité. L'intimité qui vient sans flexibilité, ce n'est pas l'intimité, c'est la religion. L'intimité doit être flexible. Dieu doit être libre d'opérer comme il veut. Dieu doit être libre de se répandre, de se manifester avec toi comme il veut. C'est ça l'intimité véritable. Fais qu'avec moi. C'est ça l'intimité véritable. Donc être aveugle et sourd, c'est oublier. C'est oublier ce qu'on connaissait. Ah, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, être aveugle et sourd, c'est être prêt à sortir de sa zone de confort, même si on n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et là, je parle au staff de All In Together. C'est être prêt à sortir de sa zone de confort, même si on est, lorsqu'on n'aime pas. Parce que l'homme a tendance à aimer une zone de confort. L'homme a tendance à aimer ça. Mais être aveugle et sourd, c'est être prêt à sortir de sa zone de confort. Bon, pour ceux qui sont là anciens dans le groupe, avant, on avait un groupe. Là, maintenant, il y a des gens qui sont arrivés le matin, ils ont vu, il n'y a plus un groupe. Il y a plusieurs groupes. On avait des personnes avec qui on se voyait dans le même groupe, mais on ne se voit plus. On nous a séparés. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des saisons où Dieu dit non, vous êtes trop longtemps resté à ce même niveau, retournez-vous, allez quelque part. Sortez de cette zone de confort, allez à une nouvelle dimension. C'est ça, Dieu. Et être aveugle, c'est être prêt à sortir de cette zone de confort et à suivre Dieu. Vous savez, la prière du salut qu'on a eue hier, la genou du salut qu'on a eue hier, et on rend gloire à Dieu pour ces âmes qui ont été gagnées. Ce sont des dizaines d'âmes qui ont été gagnées. Hein. Vous savez ça. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Mais vous savez, Dieu a parlé, il m'a parlé dimanche. Dimanche. J'aurais pu dire à Dieu, ah oh, Seigneur, on n'est pas prêt à faire ça quand? Le mardi, il y a la formation. Le mercredi, il y a débat causerie. Le jeudi, il y a testimony Thursday. Le vendredi, je dois prêcher. On va faire ça quand? Quand? Mais quand Dieu a parlé, jette le filet. Vous savez, l'obéissance, ça vient aussi avec la notion du temps. Obéir à Dieu, c'est pas seulement faire ce que Dieu a dit de faire. C'est faire quand Dieu a dit de faire. C'est ça aussi l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Dieu dit prie pour un malade. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit prie pour une personne qui a le palu. Le palu dure 3 jours. Dieu dit prie pour une personne qui a le palu. Tu dis Seigneur, je vais attendre. Et tu vas prier après 3 jours. Oh, le palu est parti. Donc tu penses que tu as obéi. Mais si tu as prié après, ça ne sert à rien. La personne est déjà guérie. Donc tu as désobéi. Donc l'obéissance vient aussi avec le fait de jeter le filet quand Dieu a parlé. C'est ça l'obéissance. Et ça nécessite d'être prêt à sortir sa zone de confort, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile à sortir de sa zone de confort. Oh, Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Isé la fa radiara. Levez-les. Et une personne, tu t'es connecté triste dans le cœur à cause d'une mauvaise nouvelle familiale que tu as apprise. Tu ne voulais pas te connecter en réalité. Tu as dit, bon, on va voir. Tu t'es connecté jusqu'à présent, tu es connecté. Que le Saint-Esprit guérisse ton cœur. Guérisse ton cœur. Guérisse ton cœur. Ce proche ne mourra pas. Tu as pris une maladie grave, mais il ne mourra pas. Ce proche vivra et il annoncera
les bienfaits de l'éternel. C'est ça à qui je parle. Et une personne qui est concernée, qui est concernée. Amen. Alors pourquoi il faut être aveugle et sourd? Parce que lorsqu'on est aveugle et sourd, Dieu peut se manifester. Et parce que lorsque Dieu se manifeste, quand Dieu se manifeste, il sauve des gens au travers de nous. Tu sais pourquoi moi je suis aveugle et sourd? Parce que je sais qu'en fait dans ma vie, il n'y a pas que moi, il n'y a plus que moi. Aujourd'hui, là, il n'y a pas moi. En fait, moi, j'existe plus. Tu sais, il y a des choses, Jésus, oh, Jésus a dit, je me sanctifie pour vous. Il y a une dimension où tu ne fais plus les choses pour toi. Même quand tu as promis de faire les choses, tu fais. Tu penses que tous les jours, on a envie de jeûner. Moi aussi, j'ai envie de manger. Regarde comment je suis mince. Toi, tu grossis ce moment, je jeûne. Mais je jeûne pour toi. Tu vois? Je jeûne pour toi. Il y a des choses qu'on ne fait plus pour nous-mêmes. On fait parce que à notre vie est associée des témoignages. À notre vie est associée des vies. À notre vie est associée des vies qui vont être encouragées, motivées. Donc, on le fait. Donc, être aveugle et sourd, c'est comprendre qu'est-ce qui doit te motiver. C'est qu'en fait, dans ma vie, il n'y a pas que moi, en fait. Il y a des gens qui dépendent de moi. Il y a des gens qui ne seront que sauvés si je leur dis bonjour. Et ça, je dois le comprendre. Je dois le comprendre. L'Esprit m'a dit, Dieu veut agir au travers de toi. Mais la seule personne qui peut empêcher l'action de Dieu, c'est toi-même. Et c'est maintenant que je rends mon message. Et je vois aujourd'hui là. Oui, c'est maintenant que je rends mon message. La seule personne qui peut empêcher Dieu d'agir, c'est toi. Si tu es déconnecté, on comprendra. Hein? Mais nous, on va rester, nous, on va entendre ce que Dieu va dire. La seule personne qui va freiner Dieu dans son action, c'est toi. C'est toi. Regarde. Regarde avec moi. Quand je ferme les yeux, quand je ferme les yeux et que je bouche les oreilles et que je les ouvre et que je débouche les oreilles, est-ce que c'est toi qui as fermé mes yeux? C'est pas toi, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fermé mes propres yeux, n'est-ce pas? C'est moi qui ai bouché mes propres oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est de notre responsabilité de devenir aveugle et sourd. C'est pas la responsabilité de Dieu. Par contre, il s'agit de fermer mes yeux, boucher mes oreilles. C'est moi, je le fais. Ce n'est pas une personne qui le fait pour moi. Donc, il est de ma responsabilité de devenir indifférent à ce que les gens pensent. Il est de ma responsabilité de faire attention à mes fautes. Il est de ma responsabilité de sortir de ma zone de confort. Il est de ma responsabilité de me délivrer de toute forme d'habitude que j'avais. Il est de ma responsabilité. Parce que la vérité, c'est que Dieu veut agir librement au travers de toi et de moi, mon frère, ma soeur. En nous, par nous. Dieu veut d'abord agir librement en nous. Il veut être libre de venir transformer ma vie. Il veut être libre de me faire sortir du péché. Dieu veut être libre d'abord de faire ça. Il veut être libre de venir toucher. Tu sais, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans nos cœurs qu'on a dit à Dieu, touche pas. Il y a trop de choses. Non, Seigneur, tu peux me guérir. Tu peux guérir mon corps. Mais ma blessure émotionnelle ne touche pas. Dieu veut être libre d'agir en nous. Non, tu peux toucher telle relation, il n'y a pas de problème. Mais la relation avec mon copain que j'appelle ami pour ne pas que les gens apprennent que lui et moi on tombe dans l'implicité là, ça ne touche pas. Tu vois? Tu veux être libre d'agir en moi. Il veut être libre d'agir avec moi. Et il veut être libre d'agir au travers de moi. Il veut être libre. Dieu veut être libre. Mon frère, ma soeur, Dieu veut être libre. Dieu veut agir librement au travers de nous. Il veut être libre d'agir librement en toi et en moi. Mais pour ça, il n'a pas envie d'être intimidé par nous. Vous savez que souvent on intimide Dieu. Tu sais, on est comme ça là. Regarde, on est comme ça là. Je commence à parler en langue ici fortement. Il y a une personne qui va avoir peur, qui va se déconnecter. Tu as vu? Tu as peur. Tu intimides Dieu. Donc il y a fait qu'il y a des manifestations que tu n'as pas envie de faire. Il y a des personnes, tu vois, à l'église, les gens manifestent. Tu vois? Ça fait que Dieu, maintenant, il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire. On dit non, le pasteur n'a pas l'onction. C'est le peuple qui. Voilà. Voilà pourquoi lorsque Dieu trouve un peuple qui est libre, tu opères des choses. Tu opères des choses. Si on commence à prêcher ici, on prend du temps, oh, tu as été déconnecté. Tu n'es pas libre, il est obligé de le faire rapidement. On commence à adorer, oh, il chante longtemps. Tu vois, tu limites l'action de Dieu. ce que tu comprends, c'est que quand tu limites l'action de Dieu, tu limites son passage. Ça veut dire qu'en limitant son passage, en fait, tu penses que tu as rencontré Dieu, mais tu n'es pas encore arrivé à la rencontre de Dieu. Parce que dans la dimension de la rencontre de Dieu, il y a quatre dimensions. Il y a la rencontre du tremblement de terre, mais la Bible dit lorsque le tremblement de terre et l'île n'est pas sorti.
Il y a la dimension du vent impétueux, mais lorsque le vent impétueux est venu, Élie n'est pas sorti. Il y a la dimension du feu dévorant, mais lorsque le feu dévorant est venu, Élie n'est pas sorti. Mais quand le murmure d'où Élie est venu, Élie est sorti. Pourquoi? Élie a compris que tout ça, c'est des passages. Mais si je reste là, je vais vivre ce qu'il veut me donner. Et souvent, nous-mêmes, on limite Dieu. Chaque fois, je suis en train de parler à une personne qui dit, oh, mais moi, j'ai faim. Va manger. Va. Non, on va rester là. Oh, moi, je veux que Dieu soit glorifié. Je veux que Dieu soit manifesté. Je veux que Dieu soit libre. Quand Dieu est là, quand on lui donne la place, quand on campe, vous n'avez pas idée de ce que tu es capable de faire. Souvent, quand je prends les gens du staff et qu'on va en retraite, on fait des retraites en ligne. La dernière retraite qu'on a fait, une fois, on est en train de prier pendant la retraite. Tout ça, on a adoré, on était là. On a dit qu'on pourra rester là. Si on a parlé 5 heures, on parlait. On était là. On a prêché. Pendant 6 heures, on parlait. Prêcher de la parole. Ils étaient là, disposés. À un moment donné, il y a une petite sœur qui ouvre son micro. Bon, moi, je n'ai pas connu son micro. Là, j'ai dit, oh, c'est quoi ton problème? Alors, elle a ouvert son micro. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de confesser ce par quoi elle passait. Parce qu'on a laissé à Dieu la liberté. On lui en est là, fais ton ministère. Et ça a suscité d'autres personnes qui, dans leur cœur, ont fait sortir des choses. Parce que Dieu t'a dit. Tu sais comment on est là, là? Comment on est là, là? Il y a des choses qui doivent sortir de ton cœur. Il y a des choses qui doivent sortir de ton cœur. Saint-Esprit, viens toucher. Viens parler, viens toucher. Viens toucher. Puis les peurs dégagent. Puis les tristesses qui t'enfuient en bas, là-bas, là, ça sort. Saint-Esprit, fais ton ministère. Viens toucher, viens toucher. Viens toucher. Aïe, aïe, aïe. Il y a une personne qui va se mettre à pleurer dans quelques instants. Comme jamais, je n'ai pas pleuré. Viens vers ton ministère, Saint-Esprit. Il faut être libre. Amen. Dieu va agir librement. Mais souvent, on est nous-mêmes ceux qui intimident Dieu. On empêche l'action de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit pendant la traversée, il nous a dit, Ésaïe 42, verset 16, il a dit, je ferai, regardez ce qu'il dit. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. C'est pourquoi pendant la traversée, Dieu t'a annoncé qu'il veut agir d'une nouvelle manière, qui n'a rien à voir avec ce que tu connais déjà. Dieu t'a dit, oublie le passé. Ta relation avec Dieu vient de commencer. Oublie le passé. Ça n'existe pas. Oublie. Même moi, j'ai prié là. Je me suis rendu compte que moi-même, le même jour, j'ai commencé à vivre ça. Ah oui, oublie. Faut oublier. Tu dois oublier. Amen. Ésaïe 42, verset 9. J'ai presque fini. J'ai fini mon message. Regardez, Ésaïe 42, verset 9. Il dit, les événements du passé se sont produits. Et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils gèment, je vous les fais connaître. Regardez ce que l'Esprit dit. Et dit, c'est fini, c'est passé. All in together, tu es rentré dans une nouvelle dimension. Oh, il y a une personne qui n'a pas mis Amen. Il y a une personne qui s'est attribuée la famille All in together qui met Amen. Tu es rentré dans une nouvelle dimension. C'est bon, c'est passé. On est rentré dans quelque chose de nouveau. Ce que tu connaissais, tu ne connais plus. C'est fini. Tu verrais une nouvelle manière de faire. Mais tu dois accepter le changement. Et tu dois accepter ça. Tu dois accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu seras toi-même la limite à ce que Dieu veut faire. La limite à ce que Dieu veut faire. Alors, comment ne pas être sa propre limite? Est-ce que quelqu'un veut savoir ou veut que je, vous voulez que je donne le secret la semaine prochaine? Je donne le secret la semaine prochaine, je parle. Comment ne pas être sa propre limite? Comment ne pas freiner Dieu? Comment passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur? Comment faire pour ne pas être la personne qui limite Dieu? Comment? Dieu m'a dit, donne-lui la place pour opérer des œuvres. Donne-lui la place pour se manifester. Si tu ne veux pas être la limite à ce que Dieu veut faire dans ta vie, donne-lui l'opportunité de manifester ce qu'il veut faire. Comment? Je vais t'expliquer. Comment? Parce qu'on appelle la consécration. Qu'est-ce que dit avec moi la consécration? La consécration. Dieu veut se manifester dans deux dimensions de ta vie. Quelqu'un avec moi? Dans deux dimensions. Dieu veut se manifester en toi. Et Dieu veut se manifester au travers de toi. Amen. Donc,
quand tu veux que Dieu se manifeste en toi et au travers de toi, tu dois lui donner l'opportunité de se manifester en toi et au travers de toi. Et pour le faire, il faut le faire par la consécration. Amen. Si tu veux que Dieu se manifeste en toi, tu dois te consacrer. Et si tu veux que Dieu se manifeste au travers de toi, tu dois aussi te consacrer. Mais deux consécrations différentes. Pour que Dieu se manifeste en toi, pour que Dieu se manifeste en toi, ce qui veut dire qu'il vienne te remplir, qu'il vienne te délivrer du péché, qu'il vienne te changer, qu'il vienne te faire sortir des prisons intérieures, qu'il vienne te rentrer dans tes luttes et te faire sortir. C'est ce qu'on appelle Dieu se manifeste en toi. Pour qu'il te change, qu'il change ton cœur, pour qu'il le fasse, tu vas devoir consacrer. Mais consacrer quoi? Tu vas devoir lui consacrer du temps. Tu vas devoir lui consacrer du temps pour le faire. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, passait par un temps de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prier une heure. Ça n'a pas marché. Il a prié deux heures. Ça n'a pas marché. Il a prié trois heures. Et là, il me dit, un ange est venu le fortifier. Il avait compris que si Dieu devait se manifester pour faire passer sa faiblesse à la force, il devait donner le temps à Dieu d'opérer la force. En soi, lorsque tu veux que Dieu te délivre, lorsque tu veux que Dieu change ton cœur, lorsque tu veux que Dieu renouvelle ton système de pensée, qu'il te fasse sortir du péché avec lequel tu luttes, je n'ai pas besoin de citer le péché, tu dois lui donner le temps de le faire. Cela veut dire que tu dois prendre du temps dans la prière, tu dois prendre du temps dans les retraites, tu dois prendre du temps dans le jeûne, tu dois te cacher, tu dois aller faire chercher Dieu. On doit te voir, tu es trop présent sur les réseaux, on doit te voir un jumeau d'avion, on doit te voir toute une nuit veillée, et tu es là, tu ne parles pas, mais tu es là, tu dis Seigneur, viens. Viens te manifester en moi, dans la prière, dans la méditation. C'est ça. Si tu veux que Dieu se manifeste en toi, tu dois lui consacrer du temps pour le faire. Jésus a prié toute la nuit, toute la nuit. Il priait toute la nuit pour télécharger la sagesse qui lui permet de choisir ses disciples. Toute la nuit. Il prenait du temps. Tu dois prendre du temps dans le jeûne. Tu dois prendre du temps dans la prière. Tu dois prendre du temps dans la dévotion à Dieu. Tu dois prendre du temps, mon frère, ma sœur. You have to take time. You have to take time. Give time to the Lord. Prayer time. Fasting time. Retreat time. Give him time. You need to do so. Tu dois lui donner le temps pour le faire. Ça, c'est comme ça que Dieu se manifeste en toi. Maintenant, quand tu veux que Dieu se manifeste au travers de toi, là, ça veut dire quoi se manifeste au travers de toi? Ça veut dire qu'il délivre au travers de toi, qu'il restaure les gens au travers de toi, qu'il guérisse, qu'il encourage, qu'il motive, qu'il relève au travers de toi. Là, l'Esprit m'a dit, tu ne devras pas consacrer du temps. C'est vrai, tu peux consacrer du temps, mais ce n'est pas ça le plus important. Tu devras consacrer ce qu'on appelle ton corps. Oh, frère, tu devras consacrer ton corps. Toi, tu veux que Dieu guérisse des malades et tu veux utiliser les mains qui vont pour guérir, pour mettre dans ton pantalon, pour faire des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, les mêmes mains qui doivent imposer les mains pour délivrer, les mêmes mains vont imposer ce qui n'est pas une tête. Hein? La consécration du corps pour que Dieu fasse au travers de moi. Si je veux que Dieu fasse au travers de moi, je dois consacrer mon corps. Comment la même main qui est capable de guérir des malades, c'est la même main que je vais prendre pour le péché? Si je veux que Dieu m'utilise, les mains là, je dois l'utiliser. Voilà pourquoi, avant de vouloir que Dieu passe au travers de toi, pense en ce qu'il est passé en toi. C'est ce que ça veut dire en fait. Consacre du temps. Comment ça se fait que les mêmes pieds que Dieu te demande de prendre pour aller vers les hommes, toi tu prends pour aller vers la femme étrangère, vers le homme étranger? Le problème, c'est que vous n'avez pas remarqué dans le péché de l'impudicité, c'est toujours les gens, c'est toujours le. C'est toujours on va vers. Et ça ne vient jamais vers nous. Là, les gens qui disent non. Seigneur, si ça tombe vers moi, vraiment, je ne sais pas, frère. Si c'est tombé vers toi, c'est que tu étais là où il ne fallait pas être. C'est la vérité. Parce que, là, il me dit dans le proverbe, que celui qui pense il peut aller vers la femme étrangère. Le péché d'impudicité ne vient jamais vers toi. C'est toi qui es allé vers. C'est là, quelqu'un avec moi, il dit vérité. C'est toi qui va vers. Donc, il faut arrêter de dire, non, Seigneur, si ça m'arrive, Seigneur, si je tombe dessus. Frère, tu faisais quoi cette nuit? Quand tu t'as dit, dors pour te réveiller tôt pour prier, tu faisais quoi 1h du matin sur tes téléphone? Hein? Tu faisais quoi dans ce quartier à telle heure, en cette saison de pluie là, en cette saison de pluie, la pluie là, il pleut, toi tu fais quoi dehors? Tu peux rester chez toi, tu fais quoi? De parler, mais je ne parle pas. Moi, je fais ma parenté. N'utilise pas ta bouche qui va déclarer des paroles de guérison pour insulter les gens. Tu sais pourquoi Dieu n'utilise pas ta bouche? La même bouche qui essaie d'appeler la guérison insulte, elle murmure, elle se moque. Elle se moque. Et critique. Dieu n'a qu'à utiliser ta même bouche
Moi, je sais pas, en Côte d'Ivoire, on dit Bagbato. Dans certains pays du Congo, ça. D'autres, voilà, je sais pas comment dire, dans ton pays, moi, tu utilises la même bouche pour critiquer et tu veux que Dieu utilise ça pour dire recevez la guérison, puis les gens vont être guéris. Puis, la même bouche. Faut écrire, c'est mieux, tu vas écrire, soyez guéri. Les gens vont le lire, ils vont être guéris. Parce que si tu veux parler, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors, tu as besoin de consacrer ton corps et ton temps. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas faire ça, tu verras Dieu commencer à t'utiliser, à travailler avec toi. Selon qu'il est écrit dans Marc 16, au verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Quand tu vas opérer ça, Dieu va commencer à travailler avec toi. Dieu va commencer à faire des miracles au travers de toi. Alors, tu sais ce qui va se passer? Et j'ai fini mon message. Ce qui va se passer, c'est que alors je vais te réjouir de ce que Dieu travaille avec toi. Parce que Dieu fait des miracles au travers de toi. Et c'est là maintenant que la parole prophétique que Dieu a relâchée pendant la traversée va avoir un sens dans ta vie. Quelle parole prophétique? Lorsque Dieu a dit, si tu acceptes ton appel, si tu te consacres par motif de ton appel, tu vas intégrer la liste de ceux dont il est dit, je marche avec eux. Parce que lorsqu'il va marcher avec toi, il va travailler avec toi, tu vas en fait, tu vas dire, oh, mais Dieu fait des choses au travers de moi. Alors, la phrase, un tel a marché avec Dieu, va prendre du sens dans ta vie. Et tu pourras dire, moi j'ai marché avec Dieu, moi je marche avec Dieu. Alors si tu veux que ça se manifeste dans ta vie, tu vas devoir te consacrer. Tu es ta seule limite, mais tu ne seras plus ta limite. Et tu vas intégrer parce que Dieu a dit, il a dit, c'est la parole. Il sera dit à ton sujet, un tel a marché avec Dieu, au nom de Jésus. Amen.